Monsieur Thierry Marchand, ambassadeur de France au Cameroun. Allez, je vais aller. Monsieur l'ambassadeur, venez d'avoir votre tout premier entretien avec le président de la République, son Excellence Paul Biya. Un entretien riche et fructueux à en juger par le temps, un peu plus d'une heure et 30 minutes. Oui. Quel en est le substrat? Alors d'abord, simplement pour remercier le président Biya d'avoir bien voulu me recevoir. Une heure et demie d'entretien sur de très nombreux sujets. Dans une période en fait qui marque un petit peu le bilan de la visite du président Macron il y a un peu plus d'un an, et puis l'arrivée prochaine au moment de la conférence internationale sur la francophonie de la ministre des Affaires étrangères qui devrait venir ici à Yaoundé. Donc ma position était en fait de venir voir avec le président, de faire un point un petit peu sur la relation bilatérale un an après la venue du président Macron l'année dernière. Vous comprenez que on a pu avoir, par rapport à la situation internationale, qui est très chargée, qui est très lourde, des discussions de fond sur la situation au Proche-Orient, la situation également en Afrique, la situation dans la guerre russo-ukrainienne, bref, tous les grands sujets de politique étrangère dans lesquels le président est extrêmement engagé et lucide. Et dans un deuxième temps, évidemment, il s'agissait de faire un peu le point sur les éléments de la relation bilatérale à travers un passage en revue des grands sujets de notre coopération mutuelle. Ça fait quelques mois que vous êtes au Cameroun. Quelle image vous en gardez jusqu'à présent? Oui, ça fait un an que je suis au Cameroun maintenant. Et je le disais au président, ma première préoccupation a été de me déplacer sur le terrain et d'aller visiter toutes les régions, toutes les capitales, pour aller voir le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest, et prendre contact en fait avec la population camerounaise sur l'ensemble du territoire. Je crois que c'était très important pour moi d'avoir fait en première année ce tour du pays pour mieux comprendre la diversité camerounaise, la diversité du pays, et à travers ça, la façon dont on va pouvoir construire avec la France une relation partenariale de qualité. Voilà. Il faut avoir, je pense, une bonne conscience de la diversité du pays pour engager les actions de coopération sur le fond. Excellence, vous venez de parler de la situation en Afrique et l'armée française, après la fin de la mission au Niger, transiterait par le Cameroun. Vous en avez parlé avec le président de la République tout à l'heure. C'est un peu tôt encore pour aborder ce sujet-là. Je pense qu'ils seront abordés un peu plus tard, lorsque le moment sera venu. Mais effectivement, sans trop s'engager, pour l'instant, vous l'avez suivi, les troupes françaises quittent le Niger progressivement, par avion, par la route. Il y aura certainement un moment où il faudra voir dans quelle mesure ces forces pourront transiter par le Cameroun pour rejoindre Douala, qui est le port naturel de toute la région. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de cinématique, si vous voulez, suffisamment précise pour pouvoir aborder ces questions. Vous parlez de la situation internationale pour terminer cet entretien, monsieur l'ambassadeur. Il y a une conférence de Paris sur la paix qui se prépare le 20 novembre prochain. Ouais. Des enjeux majeurs en perspective. Ouais. Si vous voulez, cette conférence de Paris, c'est une initiative française qui a à peine quelques années et qui vise à soutenir le multilatéralisme dans tout ce que le multilatéralisme peut apporter dans la gestion des affaires du monde. Et vous voyez bien que depuis un an et demi, on est confronté à des conflits majeurs. Et que dans la résolution de ces conflits majeurs, qu'est-ce qui peut apporter des solutions si ce n'est le maintien de cette tradition, habitude, méthode que le multilatéralisme promeut. Et donc je formule beaucoup d'espoir pour que cette conférence de Paris, qui est devenue maintenant un rendez-vous habituel chaque année au mois de novembre, puisse permettre de pouvoir initier des solutions utiles pour les crises
et nous observons tous les jours la gravité. Atmosphere was inside there, and what were the issues that you discussed? Okay, so I'm very proud and I'm very happy and glad to be here today and to have my first appointment with the president. I'm here in Cameroon since 1 year, but it's the first time for me to have a discussion, a very deep discussion with the president. So it was very warm, fruitful discussion. We tried to have a very comprehensive approach about all the topics, all the issues of the international situation and also of the bilateral situation, of the bilateral cooperation. So I'm very glad to be here today and to have this first meeting with the president. Things are hot with France within Africa, but Cameroon seems to be a very quiet place for France. Of course, then there is of course the summit, the peace summit in November in Paris. You discuss these issues with President Pobia. Yeah, we have we don't have a very long discussion about the Paris summit, but I can tell to you that this summit is now a tradition in the international life, and if you can see the international the international situation and all the crises we need to face, I think that this conference in Paris is very important for all the leaders, of the political leaders of the world, to promote the dialogue between all the countries and to find solution to this hot crisis we have in Europe or in the Middle East. I think that it's very important to invest in this conference. Thank you very much. Thank you.